Mais bon. Voilà. Donc nous sommes avec Ibrahim Diarra. Ibrahim, tu vas te présenter un petit peu pour les supporters, tout ça. Ibrahim Diarra, troisième ligne, Castres Olympique. Ça va faire 2 ans que je suis à Castres et je débute la 3e année. Et voilà, content d'être ici. Et voilà, on verra comment cette année se passera. Qu'est-ce que tu penses de la saison de l'année dernière avec une fin un peu difficile avec tout ce que vous nous avez prouvé au long de l'année? Comment vous êtes remis, vous, en tant que joueur? On va dire que j'ai oublié déjà, c'est déjà du passé et maintenant on prépare l'année prochaine à fond et on essaye de ne pas y penser et de passer à autre chose. Au niveau de cette petite défaite justement contre Montpellier, qu'est-ce que vous en avez tiré personnellement et collectivement? Personnellement, de la frustration, c'était compliqué, mais après c'est les meilleurs qui gagnent. Montpellier était meilleur que nous. Et moi je suis déjà passé à autre chose. Voilà, c'est oublié, c'est enterré. Et voilà, je pense à l'année prochaine et à cette saison qui va être compliquée aussi. Un petit pronostic juste comme ça, tu le vois entre quelle place et quelle place cette année, sans dire de chiffres précis pour pas te... pour l'instant, moi je pense qu'on va viser le maintien et après on verra le reste. C'est bien, c'est ça, ouais. J'ai une petite dédicace, un petit mot pour ceux qui te regarderont, que t'aimes, qui sont loin. Peace and love à tout le monde, à tous les supporters, merci de me supporter. Et j'espère que vous serez au stade, beaucoup. Allez, ciao. Ciao.